Salut à tous les Funkertiers, j'espère que vous allez bien. Voilà une petite vidéo rapide pour la chaîne de Dominique Perpetua. Voilà donc avec ce coup-ci en rapide donc les découvertes du moment. Alors comment je vais vous présenter ça comme entre guillemets collectionneur ou passionné de musique ou de vinyle. Voilà même après beaucoup d'années, on est toujours un petit peu accroché avec l'envie de trouver des nouveaux trucs, donc on rentre toujours des vinyles encore et encore. Que ça soit des découvertes avec des nouveaux sons, ça c'est toujours un peu plus rare, mais ou alors des trucs, des petits coups de cœur ou des disques pour compléter, voilà, parce que ça arrive quand on a le côté collectionneur, on aime bien un groupe, voilà, il nous manque un album, il nous manque un maxi, il nous manque une version, donc c'est un peu un truc sans fin, voilà. Donc moi j'ai vraiment commencé à on va dire collectionner, enfin surtout acheter pas mal de vinyles, c'était surtout pour le mix au début, c'était en 1988 à peu près, hein, 87-88. Avant j'avais quelques vinyles, mais bon, c'était comme tout auditeur de cette époque-là, on avait des vinyles parce que on achetait les sons qu'on aimait bien. Et puis après j'ai commencé à en acheter plein pour pouvoir mixer, me faire mes cassettes. Voilà, quand il n'y avait plus de trucs à la radio qui étaient intéressants. Et depuis, bah, continue d'acheter. Alors on achète différemment, forcément. Au début, on veut des sons avec des super albums hyper complets, des maxi hyper patates. Enfin, on cherche vraiment du truc qui nous éclate. Et puis au fur et à mesure, bah, on prend des chemins différents, avec des styles différents. On aime des choses différentes. Hein. Par exemple, au début, j'aimais pas du tout la soul music. Maintenant, j'en écoute un petit peu, mais le côté soul funk, voilà, avec des trucs toujours bien... bien relevé, voilà, c'est le côté que j'aime bien. Je suis pas très sweet funk en fait. Et puis il y a une période où j'écoutais beaucoup d'électro, après j'écoutais un peu moins d'électro, puis finalement je reviens aussi vers l'électro-funk parce que j'aime beaucoup, c'est la période voilà, quand j'étais ado, donc c'est ce qu'on écoutait à la radio. Donc en fait divers et variés, toujours des trucs en continuelle redécouverte ou découverte. Alors je vous présente, ça va aller très vite. Dans la vidéo, il n'y aura pas de son. Parce que le but c'est de présenter des galettes, voilà, avec 2-3 anecdotes ou 2-3 trucs à dire dessus, comment je les ai trouvés. Donc on commence par tout de suite, voilà, je reviens de Bulgarie, hein, la capitale, Sofia, et j'ai trouvé 2-3 trucs, j'ai fait quand même 5-6 disquaires, j'ai ramené deux, comme je le fais à chaque fois quand je fais un petit voyage, j'essaie de ramener des choses. Donc Mel Bamour avec le titre Keep My Lover Satisfied, qui est vraiment un super morceau, hyper dance floor, et la version maxi, donc c'est la même que l'album, hein. L'intérêt c'est que sur la face B il y a la version instru, donc ça c'est sympa. Découverte donc en mode électro-funk, un album de RJ Latust Arrival, donc ça s'appelle Hold Down, c'est 85 ou 86, voilà. Ça je l'écoutais tout à l'heure, donc c'est vraiment de l'électro-funk d'époque, hein, ce qui se passe à la radio, genre Radio 7. C'est super bien, il y a même un petit mélange avec un morceau hip-hop avec du rap, et puis j'ai entendu donc le beatbox, ça doit être les Fat Boys à cette époque-là, donc vraiment très sympathique. La Trouvaille, donc ça c'était rigolo, c'est un artiste américain, donc j'ai d'ailleurs pas retenu le nom, mais sur le coup je me suis dit tiens, écriture cyrillique, c'est rigolo, pressage russe, donc est-ce que c'était un groupe de là-bas? En fait pas du tout, non, c'est un artiste américain, mais du coup pour le souvenir, voilà, de la Bulgarie, cette pochette un peu bizarre. Bizarrement il a fait 2 albums, le premier sorti en pressage UK américain, et celui-là, je sais pas combien de références, vous regardez sur Discog, en pressage russe, donc c'est super rigolo. Pourquoi ça a été fait comme ça en Russie, je ne sais pas. Il n'y a que 5 titres sur les 8 de l'album, mais c'est quand même vachement rigolo. Ensuite, dans les trouvailles du moment, on est dans l'électro-funk, un album super complet, alors ça je vous conseille. L'album de Skidworth & Turner, alors il y a le tube d'époque qui s'appelle Thinking About Your Love qui passait aussi à la radio, mais alors le reste de l'album il est vraiment génial, c'est magnifique, hein. J'ai mis beaucoup de temps à le prendre, je sais pas pourquoi, je connaissais le tube et puis le reste pas du tout. J'écoute pas les albums quand je les ai pas, hein. J'écoute vraiment que quand j'ai le vinyle en fait, hein. Je suis pas très bon explorateur de MP3 ou de vidéos YouTube. Donc cet album là quand je l'ai écouté, terrible, franchement faut vous choper ça. Ensuite, découverte très récente, l'album de C.M. Lord. Donc j'étais persuadé, donc C.M. Lord, ça sonne comme ça, je pensais que c'était un chanteur, mais pas du tout, c'est une chanteuse, voilà, américaine, avec cet album. Il y a 2 morceaux terrifiques là-dessus, le reste c'est plutôt pas mal, des belles balades, des morceaux up-tempo, mais c'est vraiment sympa, hein. C'est des petits disques, tout ça. Une découverte très rigolote, voilà, dans les bacs à 5 €, c'est un album instrumental d'un saxophoniste en fait qui reprend des morceaux de One Way, voilà, avec tout ce qui est Al Hewson Production. Il n'y a pas que des morceaux de One Way, il y a aussi les Al Hewson Production, voilà, j'ai plus les chanteuses en tête, mais du coup il reprend des morceaux, tout ça en version instru saxophoniste, donc c'est super bien. Par contre on reconnaît les morceaux avec les thèmes, donc c'est vraiment sympa. Toujours le bac à 5 pour compléter, alors c'est avec mode complété, hein, le Delton, dernier album de Delton, 85, certainement le moins bon, hein, il n'est pas exceptionnel, hein, mais il y a 3-4 morceaux quand même qui font le job, et puis c'est sympa, la pochette j'ai toujours trouvé magnifique, et puis voilà, dans le mode électro-funk, c'est
C'est pas mal, mais c'était vraiment pour compléter cet album-là. Ensuite, tiens, cadeau de mon pote Nico, que je salue au passage, un album de Tech 5, voilà, qu'il a trouvé aussi dans le bac à 5 euros, mais qui est vraiment super bien, en fait, je découvrais, je connaissais pas du tout. Donc ça, c'est intéressant, hein, dans Soul Funk 81. Cadeau qu'il m'a fait aussi, le Jerry Butler. Ah bah du coup, il aime tellement Jerry Butler qu'il l'avait pris en double. Moi, je connaissais pas du tout cet artiste, j'ai aucun album de Jerry Butler, maintenant j'en ai un, et celui-là est vraiment sympa. Il y a deux trois morceaux qui envoient bien. Le reste, c'est plus balade, donc c'est moins mon truc, mais c'est vraiment bien. Un album que je cherchais depuis des lustres, on va dire, ouais. Enfin trouvé, voilà, l'album de Unity, un album que je n'ai jamais écouté. Je le cherchais parce que la pochette, je l'ai vu plein de fois sur Internet. Il me semble que les émissions Funky Session, quelqu'un me l'avait amené, j'avais trouvé ça bien, mais depuis, j'avais pas réécouté. Et enfin, je suis tombé dessus, j'ai écouté, j'ai craqué, c'est super bien, franchement, super bien foutu. Unity, une de mes belles trouvailles du moment. Ensuite, superbe découverte, voilà, donc en mode soul funk, truc un peu décalé, ça s'appelle Cadeau Bellé, ça c'est les découvertes grâce à l'ami Jean, hein, Opus, qui m'a sorti ça, et puis qui nous avait mis ça sur internet, voilà, donc ça c'est super bien foutu, c'est en mode soul funk, c'est, la nana a une voix vraiment géniale, cet album, je vous le conseille, un petit album qui passe inaperçu, mais qui est vraiment très très bon, à trouver ça dans les petits bacs, ça vaut le coup. Ensuite, l'album de Ripple, voilà, premier album de Ripple avec cette magnifique pochette. C'est période 70, c'est vachement bien. Hein, bah, de toute manière, tous les morceaux sont bien, hein, à mon goût, c'est vraiment exceptionnel. Et il y a le fameux morceau, I don't know what it is, but it sure is funky, évidemment, c'était funky de chez Funky. Et puis alors, je ne veux pas dire de bêtises, non, c'est vraiment début 70, c'est 60. C'est 73, mais c'est vraiment super bien. Leur deuxième album, que je vais m'empresser de chercher, et il me semble sur Salt Soul Record, il faut que je vérifie. Ensuite, les Rhythmmakers, bah, c'est la première version du groupe GQ. On retrouve une première version de leur fameux titre Disco Night, mais qui s'appelle pas Disco Night sur là, avec la même tourne de basse. C'est moins bien arrangé, c'est moins dance floor, mais il y a le début du morceau Disco Night, donc c'est sympa, mais voilà, la première version de GQ, donc ça c'est pour compléter. Une découverte vraiment par hasard, donc l'album de Darnell Williams, ça c'est le son à, vraiment, c'est le son à la Unlimited Touch. Derrière, il y a le bassiste d'ailleurs de Unlimited Touch, et les sons, ça ressemble vraiment à Unlimited Touch comme deux gouttes d'eau, sauf que c'est la voix de Darnell Williams, et franchement, c'est vraiment sympa ça. Alors, il faut le trouver, il y a deux, trois titres bien, c'est pas super complet, mais ça vaut le détour pour la subtilité du son, pour ceux qui connaissent, qui reconnaîtront le Unlimited Touch Sound et Unlimited Touch, c'est vraiment sympa. Ensuite, un album, Steven & Sterling, ça c'est son deuxième album, il a fait deux albums, alors ce qui est super marrant, c'est que le premier album, vous en trouvez plein de versions, on va dire, on va exagérer, entre 1€ et 5€, hein, donc c'est un truc qu'on trouve couramment, qui vaut absolument rien, mais qui est très très bon à souligner, hein, ça je l'ai depuis un moment, et puis ce deuxième album, qui est somme toute pas mal, hein, qui est franchement bien, a été réédité heureusement, parce que sinon c'est super rare, alors pourquoi ? On n'en sait rien du tout. Par contre, j'avoue que je préfère son premier album, qui est quand même plus complet que celui-là. Mais il y a quand même 2-3 aussi, deux, trois bons morceaux. Il y a un mid-tempo qui est sympa. Donc Sterling Harrison, deux albums. Donc celui-là, qui est un peu plus rare, qui a été réédité. Le premier, je vous le conseille. Ça, je l'avais depuis un moment. Ensuite, dans les bacs à 5, un album d'original, parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'ai quelques albums déjà qui tapent bien en mode 70. Donc là, un album à 5 balles, pris pour compléter. Ensuite, pareil, dans les bacs à 5 balles, le James Bond, parce que ça, je complète toujours, donc la BO donc s'appelle Black César, donc c'est du James Bond, mais c'est super bon, on va pas passer à côté, la pochette est sympa, ça s'ouvre. Ensuite, ça faisait un moment que je tournais autour, le Dwight Drick avec le fameux Gorgy Porgy, mais il y a d'autres morceaux, franchement, qui sont super bons, c'est chanté en français, mais super bien, c'est du canadien, hein. Moi, le titre que j'adore, c'est « Quand tu te laisses aller ». Voilà, c'est Nico qui m'avait fait découvrir ça aussi. Franchement, c'est bien. Ça s'écoute bien, c'est en français, et ça passe super bien. Ensuite, un espèce de best-of de Gwen Guthrie, mais parce que ça traînait dans les bacs à 5 balles, que la pochette est sympa. La plupart des morceaux, je les ai déjà sur les albums. Mais c'est rigolo, voilà, pour compléter. Le deuxième album de Robert Winters, voilà, en 82, sachant qu'il a fait deux albums. Les deux sont pas mal, voilà, là-dessus, il y a deux morceaux vraiment bien relevés, sur l'autre c'est plus disco-funk, il y a aussi deux morceaux de bien, mais voilà, c'est on connaît pas, voilà, deux albums pour Robert Winters qui sont plutôt pas mal.
La Krakons, alors là, quand j'ai découvert ça, c'était chez Gir, à l'écoute, un kilo, une pochette que je connaissais comme ça, mais que j'avais jamais écouté sur Stax Record. Ça, c'est Soul Funk, c'est magnifique. Et quand je dis Soul Funk, ça tape bien. C'est des dents de tempo, mais c'est plus funk que soul d'ailleurs. C'est vraiment bien, bien relevé. Mais c'est très mélodique, ça chante bien, c'est super bien joué, ça vaut le détour. Kilo, ça tape bien dedans. Ensuite, dans les maxi, il y en avait un qu'il me fallait, donc là, je sais pas si vous verrez, mais c'est le maxi donc, de Stone Lover de Junior. Magnifique, un truc qui est a priori jamais sorti, qui était que sur un best-of en CD. C'est un espèce de bootleg repress que vous voulez, enfin il n'existait pas normalement, mais par contre ce morceau-là, c'est une déchirade. Ça vaut vraiment le détour. Pour compléter, Jermaine Stewart, voilà, j'avais le deuxième album où il y a un morceau qui est fabuleux, donc j'ai pris le premier, mais ça tourne bien, voilà, 3-4 morceaux, un peu dans le style électro-funk, avec sa voix qui est très particulière, on aime ou on n'aime pas. Ensuite, un peu de jazz funk, Blue Mitchell, j'avais déjà deux albums, donc pour compléter, pareil, cet artiste, vraiment, c'est vraiment sympa, du bon jazz funk, ça s'écoute bien, c'est un style, là c'est dans la période fin 70, donc vraiment jazz funk qui tourne bien. Ah, la pépite du moment, donc Valérie Horton Brown, Miss Vera Brown, donc du groupe Richie Family, la même année 81, il me semble, 81 ou 82, donc elle sort un album solo qui n'existe qu'en pressage européen, et ben c'est une pastèque, voilà, 8 morceaux, 8 patates, pour moi c'est vraiment ma trouvaille du moment de début d'année, un super album hyper complet que je connaissais absolument pas du tout, que j'ai décroché du mur chez Gir pour écouter, comme je le fais souvent quand je vois des albums, parce que comme je dis, c'est le truc que je dis, faut pas mourir idiot. Donc j'écoute, des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas, des fois je peux me payer, des fois je peux pas me payer. Mais celui-là c'est une craquance, c'était vraiment trop exceptionnel. Vraiment la gifle de la découverte, c'était génial. Un album de Marva King, voilà, ça c'est des petits albums, mais pareil, il y a 3-4 morceaux vraiment sympas, puis elle a une très très belle voix, cette Miss Marva King. Le Kevin Moore, Rainmaker. Alors ça, pour l'anecdote, c'est un guitariste, donc il y a un morceau qui est extraordinaire, le reste c'est plus des balades, c'est sympa, ceux qui aiment bien la soul aimeront bien, c'est plus gentil, par contre un super morceau, ça c'est vraiment de la collection, c'était pour compléter, parce que c'était le seul album de Chocolate City Records qu'il me manquait, donc sur le label il y a 24, si je fais de mémoire, il y a 24 albums sortis de CCLP 2001 à 2024, voilà, et c'était le seul qui me manquait, donc j'ai complété la Chocolate City collection, j'ai la totale, après ça sera la salle soul, faut que je m'attaque, grâce à ce Kevin Moore, donc ça j'étais vraiment super content. Kido, alors Kido j'ai acheté parce que j'ai l'autre album qui est somme toute pas mal, mais alors celui-là il dézingue, album à 5 balles, vraiment super bien, super album. Ensuite Maxi, très très bon Maxi, le groupe Magnum Force, hein, pas Magnum Force, qu'est-ce que je raconte. Je dis n'importe quoi. Party Night sur Expansion, c'est Tony Ramson. Quand je l'ai acheté, je parlais aussi du maxi de Magnum Force, donc je confonds. Donc Tony Ramson, il a fait un album qui est très sympa. Il y a deux super titres vraiment canons. Et puis il y a ce morceau qui est bien relevé, qui est hors album, qui est un maxi qu'il a fait juste après. Donc ça s'appelle Party Night. Super bon. Voilà, Tony Ramson. Ensuite, les Schoolboys, on connaît l'album de 81 ou 82 qui est vraiment exceptionnel. Et bien, leur deuxième album, voilà, pareil. Super bon, hein, il faut le choper, ça fait un moment que je l'attendais, donc il y a le fameux Heartbreaker, mais il n'y a pas que ça, voilà, c'est 4-5 morceaux bien bien relevés. Ensuite, la choriste Audrey Wheeler, voilà, donc super connue, la fin d'album solo, là c'est 86 ou 88, je ne me souviens plus exactement, bon, je vous montre la pochette, hein. Mais c'est franchement bien, elle a une super voix, puis moi j'aime beaucoup ses sons électro, donc voilà, il y a 4 titres vraiment intéressants. Le super maxi qui déchire, qui est resté traîné dans le bac à 5 balles, je sais pas combien de temps, Direct Drive, 3 titres, c'est atomique, voilà, c'est super relevé, c'est super bien foutu, excellent. Qu'est-ce que j'ai chopé d'autre? On a aussi on a un vieux Emotion sur Stax Record, voilà. Bon là j'ai pas mis de papier parce que c'est soul funk, mais bon, magnifique voix, The Emotion, hein. Ça c'est un très bon album, belle pochette, très beau contenu, ça s'écoute bien posé dans le canapé, c'est super bon. Puis petite découverte aussi de chez Give Me Five, voilà, ça s'appelle Wilbert Longmire. Donc c'est un guitariste, ça joue un peu à la Benson. Alors il y a des morceaux chantés, c'est pas ma tasse de thé. Par contre, les morceaux instru, où on dirait effectivement que c'est George Benson qui joue, c'est un peu en mode jazz funk, c'est super sympa. Voilà, j'ai noté 4 titres, hein, vraiment bien en fait en mode instru.
Voilà. Donc ça, c'est à peu près les trouvailles rentrées ces trois derniers mois, on va dire. Enfin, depuis janvier 2023, à peu près. Hein. Alors j'en ai peut-être oublié, il y avait peut-être d'autres choses, mais bon, c'est un peu un vrac. Des fois, quand je passe les nouveautés, je les mets aux émissions, après je ne sais plus trop où je les range, etc. Donc il y avait peut-être d'autres choses, mais voilà, c'était juste pour vous donner un aperçu des choses rentrées. Voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, que vous cherchez, que vous ne connaissiez pas, ça peut vous donner des idées pour écouter, voilà, sans plus. Je retiendrai donc super le Vera Horton Brand, magique, le truc vraiment, vraiment super bien. Et puis ouais, Skyward and Turner, exceptionnel. Voilà. Sinon, plein de petits trucs sympas à découvrir, voilà, dans la continuité des recherches d'un collectionneur. Et puis dans trois mois, ça sera d'autres disques. Hein. Là, on est à peu près on va dire, si j'achète 3 à 4 disques par semaine, donc ça fait entre 10 et 15 par mois. Hein. Donc on arrive à une petite centaine, un peu plus par an. Bah, ça en fait des disques, hein, finalement. Au final, à chaque fois, on remplit les casiers. Mais bon, c'est le fait de tout ce qu'on pourrait découvrir à la radio, c'est ce qu'on faisait dans les années 80, ce qu'on ne fait plus maintenant. Et ben, on le fait avec les vinyles. Donc c'est une continuité. On complète certaines collections de certains artistes. Voilà, discographie, ou bien totale découverte. Moi, c'est ce que je préfère. Hein. Il n'y a pas d'autre. Moi, mon truc, hein, c'est je vais chez les disquaires, j'écoute, je regarde les pochettes, je regarde un peu les pochettes, je regarde les artistes, les connexions, producteurs, musiciens, etc. Et j'y vais un peu au coup de cœur. Et puis, si j'écoute et ça me plaît, je prends. Voilà, il n'y a aucun autre critère pour moi pour choisir de la musique, à part le fait que ça soit de la bonne musique, du coup de cœur et des choses qui me font vibrer. Allez, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Puis, on se retrouvera peut-être pour d'autres vidéos, d'autres styles, voilà, sur cette chaîne. Pour tous les passionnés de funky music, c'est génial. Merci à toi, Dominique Perpetua, et à bientôt. Ciao, ciao!